L'opéra est un dessert français riche qui utilise l'une des combinaisons d'arômes les plus appréciées, le chocolat et le café. Le gâteau a été créé par Celia Gabillon en 1955. C'était un des plus grands chefs parisiens. Il voulait créer quelque chose qui donnait le goût de tous les gâteaux et une seule bouchée. Il a nommé le gâteau d'après l'opéra de Paris, le Palais Garnier. Préchauffez le feu à 200 degrés. Foutez les deux jaunes d'œufs et l'œuf entier avec un quart de tasse de sucre. Ajoutez les amandes en poudre. Dans une autre bol, mélangez la farine avec les doublons d'eau. Mélangez le tout dans un bol et versez dans un plat. Faites cuire à four pendant 8 minutes et ensuite laissez refroidir. Coupez le gâteau en 3 morceaux. Pour la ganache, chauffez la crème et mélangez avec du chocolat. Mettez la ganache sur une couche et laissez refroidir. Pour la crème au beurre, placez le blanc d'œuf dans un bol et foutez avec le sucre. Ajoutez le beurre et le sucre vanillé. Étalez le café et le chocolat fondu ou la crème bleue sur chaque couche. Laissez refroidir. Bon appétit! On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore.